Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi aujourd'hui. Il fait pas terrible au niveau du temps. Enfin, il fait pas terrible. C'est un peu nuageux aujourd'hui. Autant hier, on a eu un magnifique soleil. D'ailleurs, on a eu un magnifique soleil tout le week-end. C'était trop chouette. Là, on a un peu de nuages. Bon, c'est pas grave. C'est un peu nuageux. Et puis, moi, je suis debout depuis 5 heures. Hein, ça fait un moment que je suis debout. J'ai emmené mon fils au travail, du coup. Là, ma fille est au lycée, mon fils aussi. Ils sont tous les deux en examen toute la semaine. Voilà. Cet après-midi, mon mari a rendez-vous chez le médecin. Demain, il a rendez-vous pour un scanner pour son dos. C'est pour son dos, pour ses côtes. Oui, c'est ça, pour son dos et ses côtes. Voilà, je cherchais. En plus, demain, moi, il faut que j'aille chercher mon médicament à la pharmacie de l'hôpital également. Donc là, aujourd'hui, alors j'ai fait un pain au levain ce week-end qui est parti comme des petits pains, on va dire. Il a été démonté. voilà. Donc, du coup, il faut que j'en refasse un aujourd'hui. Voilà. J'ai toutes mes routines à faire parce que je n'ai absolument rien fait encore pour l'instant parce que ben, je voulais pas faire de bruit. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ben, je ne sais plus. Voilà. Je ne sais plus. Donc, du coup, je vais faire mes routines de la journée. Faut que je prépare une machine aussi. Le linge, j'en ai marre. Si vous saviez comme j'en ai marre du linge. Mais il faut que je le fasse. Donc du coup, voilà. Faut que je prépare une machine qui tournera cet après-midi et qui séchera cette nuit. Le repas d'hier soir était censé être des cuisses de poulet aux épices et amandes effilées avec des pommes de terre. Sauf que on est rentré super tard. C'était pas du tout prévu qu'on rentre aussi tard, pas du tout, du tout même. Et donc, du coup, on est rentré super tard. Et du coup, mon chéri a proposé d'aller chercher des kebabs. Alors, moi, le kebab, je peux plus. Donc, j'ai pris des tenders. Ils vendaient des tenders, j'ai pris des tenders. Voilà, j'en ai mangé 2/5. Non, 1,5/5. Voilà. Ça m'a fait mon repas, c'était déjà beaucoup, parce que c'est hyper bourratif, n'empêche, voilà. Et donc ce soir, bah, du coup, je reporte le, vu que j'ai décongelé les cuisses de poulet hier, pardon, du coup, je reporte les cuisses de poulet pour ce soir, hein. On fera, du coup, ensemble, les cuisses de poulet aux épices et à mon défilé ce soir, ensemble. Voilà, alors normalement c'était avec des pommes de terre, mais je ne sais pas si je vais pas faire du riz, parce que hier on a mangé déjà des pommes de terre, donc du coup, voilà. Bref, en tout cas, on verra ça ce soir, mais ça on le fera ensemble, comme d'habitude. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Oui, donc il faut que j'emmène mon mari, en tout cas, chez le médecin cet après-midi. Il faut que je le conduise là-bas. Et puis voilà, on verra ce que dit le médecin, parce que sa main est encore bien gonflé, ça lui fait bien mal dès qu'il s'en sert. Le dos, bah, dès qu'il marche, il a mal. Les côtes, à mon avis, c'est pas les côtes puisque c'est pas cassé, mais il a dû se refaire une déchirure intercostale et évidemment, ça lui fait mal quand il respire. Ça lui fait mal quand il est assis, ça lui coupe la respiration. Quand il est allongé, il n'est pas bien parce que ça lui fait mal dans le dos. Alors bon, du coup, c'est un peu compliqué pour lui. Il ne sait pas trop comment se mettre pour éviter d'avoir mal. Malgré les antidouleurs, c'est pas ça, quoi. Donc, on va voir ce que dit le médecin tout à l'heure. On verra bien. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait avec, hein, il n'y a pas le choix. voilà. Donc, c'est comme ça. Bon, je vous dis à plus tard dans la journée.
on se retrouve en cuisine. Je me suis complètement mélangé les pinceaux dans les rendez-vous. Mon mari a rendez-vous demain après-midi chez le médecin, mercredi pour le scanner. Pas du tout aujourd'hui ni demain, c'est l'inverse. Bref, peu importe, c'est pas grave. Là, on se retrouve en cuisine pour le repas de ce soir. Ce soir, alors je devais le faire hier soir, mais vous savez maintenant que je ne l'ai pas fait. Donc, pour ce soir, ce sera poulet aux épices et aux amandes effilées. J'ai pioché cette recette sur le site de Pupille et Papy ou Papille et Pupille. À chaque fois, je ne sais jamais dans quel sens il faut que je le dise. Et puis, ben, à la bonne vôtre, je me suis fait un petit bouillon de légumes. Voilà. Non, j'ai pas froid. C'est juste que ben, ça m'évite de boire du café. Voilà. Et donc, du coup, je prends un bouillon de légumes. Voilà. Et ça m'oblige à boire. Oui, oui. Si je peux éviter de me cramer la bouche, ça serait pas mal. Bref, aujourd'hui, du coup, on est allé chercher mon médicament à la pharmacie de l'hôpital, puisqu'il était prêt, donc du coup, je suis allée le chercher tout à l'heure. Bon, bah, c'est parti, on va cuisiner. Alors, déjà, pour le repas, enfin, pour préparer. Donc, pour préparer, il va nous falloir de l'huile d'olive, de l'ail, du gingembre, du curry, du curcuma, du concentré de tomate, du bouillon de volaille, du jus de citron et des amandes effilées, bien entendu. Ça va être assez simple. On va cuire... comment dire? On va faire revenir le poulet. Déjà, dans un premier temps, on va faire dorer les cuisses de poulet. Une fois qu'elles seront dorées, on va ajouter... toutes les épices, donc le gingembre, le curcuma, le curry, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, on ajoute évidemment le concentré de tomate, le bouillon de volaille. On va laisser cuire 20 minutes couvert et ensuite on découvre et on laisse cuire environ 10-15 minutes à découvert. Et à la toute fin, on peut rajouter du persil, du basilic, de la coriandre, enfin ce que vous voulez. Moi je vais mettre plutôt du persil et les amandes effilées qui seront torréfiées. Voilà. C'est quelque chose d'assez simple. L'avantage c'est que le temps que ça cuise, je vais pouvoir chercher ma fille au lycée. Je finirai la cuisson quand on reviendra, je pense. Parce que j'ai le temps de lancer, j'ai peut-être le temps de lancer la deuxième cuisson avant de partir. Ça s'arrêtera tout seul, ça restera sur le feu tranquillou et c'est parfait. Et ça sera prêt quand on rentrera. Il faudra que j'accompagne ça avec du riz ou des pâtes. Je ne sais pas encore. Je vais voir en fonction. Allez. Je sors ma cocotte, on part en cuisine, sur feu vif, on va faire torréfier les amandes effilées. Alors, on met le feu quand même sur feu assez fort pour qu'elles soient dorées, torréfiées. Je vais mettre 4 cuillères à soupe. Voilà. Hop. Donc on laisse torréfier les amandes effilées. Quand elles seront torréfiées, elles seront donc dorées et on pourra les mettre de côté, les réserver de côté pour pouvoir les ajouter à la toute fin de la cuisson. On torréfie à sec, on ne met pas d'huile, on ne met pas de beurre, on ne met pas de... pas de gras parce que les amandes c'est déjà gras.
je vais sortir mon curcuma, je vais en profiter pour sortir mon curry, mon curcuma. C'est qui est passé mon curcuma? Allez. Curry, curcuma. Et alors ça, les amandes torréfiées, ça sent bon dans la maison, ça sent bon. J'adore cette odeur. Ça sent trop bon. Il faut bien surveiller parce que quand elle commence à dorer, après ça va vite. Hein. Faudrait pas qu'elle crame non plus. Vous voyez, elle commence à prendre une belle couleur bien dorée. Un petit peu et après c'est bon, voilà, c'est bon, stop, basta, voilà, vous voyez, elles sont bien dorées, voilà, donc ça c'est fait, donc je les mets de côté, c'est tout bon. Alors je vais de ce pas mettre de l'huile d'olive pour faire revenir, alors attendez, je vais vous relever légèrement, voilà. Je vais mettre mon huile d'olive pour faire revenir mes cuisses de poulet, les dorer dans ma cocotte. Allez, c'est parti, je fais chauffer mon huile. Hop, je vais prendre mon anti-éclaboussure. Alors, pour ceux qui se demandaient pourquoi j'utilisais pas l'anti-éclaboussure sur la cocotte orange est ovale. Et en fait, je me suis aperçue en l'utilisant que ben, ça n'empêchait pas les éclaboussures réellement. Ça évite un peu, mais pas tant. Donc, je me suis dit plutôt que d'utiliser le... Comment dire ? Plutôt que d'utiliser l'anti-éclaboussure... Bah je laisse, tant pis, c'est pas grave, je passe un coup derrière et puis voilà. C'est pas très grave en soi. Alors attendez, hop, ça me gêne, donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. On va mettre déjà côté pot. Ouh, mon mari m'en a sorti un paquet qui est... où il y a 6 cuisses. Ça va faire beaucoup là. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire beaucoup, beaucoup. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est des congelés, donc j'ai pas le choix que de les faire. Allez. Voilà. Hop. Bon, voilà. J'ai mis les cuisses. Hop. Je mets le couvercle anti-éclaboussure et j'attends que ça dore bien avant de les tourner. Une fois qu'elles seront bien dorées, je les tournerai pour les faire revenir et dorer de l'autre côté. Voilà, je viens de retourner mes cuisses de poulet. Comme vous pouvez peut-être voir, elles sont bien dorées. Donc là maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est revenu. Je ne sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit. C'est revenu, je viens de baisser le feu. Je vais ajouter l'ail. Le gingembre, le curry, le curcuma, le jus de citron, le concentré de tomate et le bouillon de volaille. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, comme toujours, je dégerme l'ail.
cuite, quoi. Non, mais alors. J'ai l'ail qui se fait la malle. Là, celui-là, il est tout petit, je peux le mettre direct. Allez, team feignant, je coupe le gingembre et je vais le presser également. Oui, oui, ça se presse le gingembre, vous pouvez le faire. C'est plus dur que l'ail, c'est vrai, mais c'est possible. C'est plus dur hein, le gingembre, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais ça ajoute du goût. Allez, donc il me faut. Oh, j'ai mis qu'une chatouille, il y avait longtemps. Une cuillère à café de purée. Un chouïa de curcuma.
un tout petit peu. 3 cuillères à soupe. Non, d'abord je vais mettre la tomate. La tomate, il me faut 2 cuillères à soupe de concentré. Il me faut 4 cuillères à soupe de jus de citron. Voilà, hop, du bouillon de volaille qui est resté au fond. Hop, on va remédier à tout ça. On va remuer. Ah, enfin, on peut s'entendre. On va remuer tout ça de façon à ce que tout se répartisse, toutes les saveurs se répartissent dans le jus, sur la viande, un peu partout. Voilà. On va rajouter du sel et du poivre. Alors, pas trop, mais il en faut quand même. Voilà, du sel, du poivre. Voilà, je vais remuer à nouveau pour que le sel et le poivre se répartissent, bien entendu, pourrissent comme pour le reste. Voilà, et maintenant ben, je vais couvrir tout simplement. Voilà, hop, alors je vais mettre ça là, hop. Je couvre avec mon couvercle. Voilà. Alors, je ne le ferme pas, ça ne sert à rien. Je ne veux pas que ça monte en pression. C'est pas... Le but n'est pas là. Donc, je laisse cuire déjà une première fois 20 minutes. Et une fois que ça aura cuit 20 minutes, je découvre. Alors, attendez. Coucou. Donc là je vais faire cuire 20 minutes couvert. Ensuite, une fois que les 20 minutes sont passées, je découvre pendant 10 à 15 minutes pour finir la cuisson. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, il n'y a pas beaucoup de choses à mettre. Par contre, je ne vous raconte pas l'odeur. Je pense que les saveurs vont être comme ça. Je ne vous dis que ça. Bref, là, je vais faire cuire mon riz également comme ça. Ça sera fait. On n'aura plus qu'à réchauffer au micro-ondes tout à l'heure quand on sera tous à table. Et puis, c'est tout. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Je crois. Allez, à plus tard. Bon, allez, je clôture le vlog. On est à table. Ça y est, je me suis servi aussi une assiette pour... manger. Enfin, une assiette. Bah si, c'est... Bah oui, mais moi, ça me suffit. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer ce que ça donne dans l'assiette, vu qu'on a préparé ensemble le poulet aux épices et aux amandes effilées. Je vais donc vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Regardez-moi ça. C'est-tu pas joli, tout ça? Du coup, c'est mon chéri, il a fait les pâtes en forme de coquillage. Je sais plus comment ça s'appelle, ces pâtes-là. Voilà, pâtes donc... en forme de coquillage. Voilà, pâte en forme de coquillage. Bon, bah, voilà. Donc, vous voyez, bon, moi, j'ai juste mis un pilon. Je suis même pas sûre de le manger à l'entier, on verra bien. Donc, il y a un petit peu d'amandes effilées dessus, les pâtes et un chouïa de sauce tout autour. Et comment tu trouves, toi? C'est bon. C'est bon? Ça change, hein? Oui.
Bah, verdict, c'est bon, ça change. Et puis, bah, écoutez, ma foi, c'est chouette de faire des petites recettes comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire et puis bah, qui mettent de la couleur dans les assiettes. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec moi, avec nous. Et prenez soin de vous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.